Arrivée hier mardi 2 juillet à Pointe-Noire, la délégation de trois experts chinois en agro-pastoral de la ville de Suzhou a été reçue en audience mercredi en matinée par le premier vice-maire de Pointe-Noire, Pierre-Justin Makosso. Ces experts ont échangé avec le premier vice-maire sur la mission de formation de 2 mois qu'ils effectueront à Pointe-Noire dans le domaine agricole. Ensuite, cette délégation s'est rendue à la préfecture où elle est allée présenter ses civilités au préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca. Au cours de la brève séance d'échange, le préfet leur a rassuré qu'ils ont en face d'eux des partenaires qui veulent apprendre. « Nous vous apportons notre soutien », a-t-il indiqué. « Votre présence à Pointe-Noire va dans le droit fil de la coopération gagnant-gagnant entre le Congo et la Chine », a poursuivi le préfet. Quant au chef de la délégation chinoise, il a souligné qu'ils ont été bien reçus et qu'il espère que sa délégation réalisera correctement sa mission dans la capitale économique. Signalons que cette mission de travail des experts chinois s'effectue dans le cadre de l'accord de jumelage signé entre la ville de Pointe-Noire et celle de Suzhou en Chine en 2016.